Et hommage à Buni. C'est nos grands, ils nous ont donné le chemin. Ils ont ouvert la voie pour nous. Ils ont donné le chemin, ils nous ont ouvert la voie. Ils nous ont donné la force et l'énergie pour continuer ce grand chemin, pour le transmettre à nos enfants, pour que l'unité de l'Afrique Rastafari, que le peuple noir rayonne sur la terre. Dja Rastafari. If you dear me, when I'm singing for the ancestral, for Jai dear, Rasta sing for her name Conan Abdin. When you see Cameroon man and come, Israel tribe of Israel, yes for the nation. My Congo pisando is for Rastafari. Yes,
Marseille, bonjour à tous. Alors vous êtes au Papa Rasta Show, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, bonjour ou bonsoir. Alors c'est un Papa Rasta Show un peu différent aujourd'hui. Bonjour Mama Rasta. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Que la paix de l'éternel soit avec vous tous. On est spécial à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec trois artistes que vous avez connus déjà parce qu'on vous les avait présentés au dernier Papa Rasta Show. Donc on est avec Kelly Manaja, Djarabali et avec Dem Rabin. Donc c'est spécial Côte d'Ivoire aujourd'hui et on a plein de questions à leur poser. Des questions très importantes parce que c'est vrai que depuis qu'on fait nos émissions dans le Papa Rasta Show, ben, y a des questions qui nous arrivent, des auditeurs, des gens, des Rastas, des gens qui ne sont pas Rastas aussi. Et il y a une question très importante qu'on nous a posée aujourd'hui. On nous a demandé... Est-ce que la prophétie de Marcus Garvey, c'est-à-dire que quand un roi noir sera couronné, ça sera la délivrance de tout le peuple noir. Et effectivement, Haïlé Sélassié était couronné, et vous connaissez tout ce qui s'est passé après avec le mouvement Rasta, etc. C'est parce que cette prophétie se réfère à une ancienne prophétie d'Isaïe qui disait que l'Orient, l'Occident renverra ses enfants en Afrique. Et donc c'est un retour massif du peuple noir vers sa terre d'origine, l'Afrique. Alors la question que le frère me posait, il me demandait, est-ce qu'on a une idée de quand ça va arriver ? Oui, merci à toi Papa Rasta. Grâce à Bernie Spear, celui-là qu'on a beaucoup aimé ici et qu'on aime beaucoup, Bernie Spear, on a connu la prophétie de Marcus Garvey. Cet activiste noir qui a toujours prôné pour le retour des Noirs en Afrique, surtout nos frères noirs qui ont été déportés depuis l'Afrique vers l'Occident. Marcus Garvey, qu'on sait qu'il est né depuis les années 1888 et est décédé malheureusement dans les années 1940, était celui-là qui souffrait réellement de tout ce qui était maltraitance des Noirs de l'autre côté des Amériques, a demandé à ce que les Noirs puissent être, disons, pas rapatriés, mais avoir la volonté de retourner en Afrique. Parce que l'Afrique était réellement et est le berceau de cette humanité. Alors la question que je vais te poser, c'est quand d'après toi ce grand moment va arriver ? Moi j'ai ma petite idée, mais je voudrais vous poser à vous la question, quand ce grand moment va-t-il arriver en fait pour vous ? Aujourd'hui les Africains ont pris un peu trop le pas sur ce qu'on appelle la politique politicienne. Ils veulent ressembler forcément à ceux justement qui gouvernent Babylone. On a un sérieux problème aujourd'hui de leadership. Nous avons perdu nos valeurs, nos coutumes sont devenus aujourd'hui des ambigriots. Concernant réellement le leadership, les Africains même s'entendent difficilement entre eux-mêmes aujourd'hui. Ce n'est plus l'époque d'antan où Marcus Garvey connaît sa prophétie. Aujourd'hui même, pour les Africains, il y a un véritable problème de leadership, surtout que Babylone est venu gâter la tête de tous nos différents Africains avec ce qu'on appelle l'argent. Et le retour vers l'Afrique qu'on appelle Zion, je ne veux pas dire que c'est un véritable leurre dans la tête de toutes les personnes qui y croient, mais les Africains ont réellement besoin de se revoir quant à ce qu'on appelle la vie d'ensemble, la vie prônée par nos grands Rastas à l'époque et la vie de nos anciens. Cela justement qui rêvait de voir les Africains unis. Et c'est compliqué aujourd'hui. Vous avez quelque chose à dire, Mama Rasta ? Oui, je voulais savoir, du coup, ils sont, vous, en tant que résident africain, vous êtes du coup plus proche de Selassie que de la prophétie de Marcus Garvey, parce que Selassie avait vraiment une visée africaine, que Marcus Garvey s'adressait plus peut-être à tous les déportés d'Afrique. Revenons un peu vers l'histoire qui est un peu récente. Mais sa majesté impériale, son impériale majesté Haïlé Sélassié I, le Perse, il a été trahi par ses confrères noirs, alors qu'il prenait l'union. Et là, on ne peut pas oublier cela. Et il gouvernait ce pays qui n'a pas voulu justement être balkanisé par les Occidentaux. Et là, c'est à voir. Parce que l'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a vraiment pas été colonisé. Et là, je pense que c'est à voir et c'est à féliciter pour ce grand homme, Haïlé Sélassié. Mais malheureusement, il a été trahi par ses frères africains. Oui, alors j'entends bien ce que tu nous dis, mais il faut revenir, il faut se remettre toujours
dans les contextes des prophéties et dans leur contexte historique. Esaïe Mamarasta, je pense qu'il vivait au 8e ou au 9e siècle. Au 8e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Esaïe nous parle de plusieurs époques. Il nous parle de la première époque, d'une première déportation qui a eu lieu à Babylone, d'une deuxième déportation qui a eu lieu vers l'Afrique en l'an 70 quand les Romains ont envahi Jérusalem. Et il nous parle ensuite dans les temps futurs. Alors c'est là que ça devient intéressant et il nous parle aussi des îles lointaines qui seront à l'écoute de sa parole. Donc Esaïe a vécu au 8e siècle. Nous, on commence à être déportés avec l'esclavage, nos ancêtres, vers le 15e siècle. Donc il y a énormément de temps entre les prophéties. Alors pour répondre à ce frère qui me posait cette question, quand est-ce que le temps va arriver? Moi, je pense que Marcus Garvey, comme il l'a dit lui-même, Mamarasta, il était le... Je suis le... Comment il disait? Il dit « Je suis le signe avant-coureur d'une Afrique éveillée qui plus jamais ne s'endormira. » Donc je crois que avant que les Noirs du monde entier rentrent vers l'Afrique, il faudra une prise de conscience de l'esprit de Selassie, de la mentalité de Selassie, de la puissance de Selassie et dans tout le peuple africain. Donc c'est par cet esprit que le peuple africain va prendre conscience au niveau politique, au niveau traditionnel, au niveau à tous les niveaux de la société. Selassie va rentrer et les États-Unis vont se faire par le peuple par le bas, les États-Unis d'Afrique. Donc voilà la réponse aux frères que je donne. Je pense qu'il faut du temps, que les prophéties avant qu'elles s'accomplissent et se réalisent, ça met du temps. Et là je suis d'accord avec vous papa, parce que c'est une véritable renaissance qu'il faut, surtout avec le combat qu'a mené Haïlé Selassie et qui a été repris par d'autres chefs d'État qui ne sont plus de ce monde. C'est ça le problème. Est-ce que l'Afrique, les Africains, peuvent être unis pour un seul combat? Parce que ce combat-là, il est très important. C'est ça, justement. L'union des peuples, l'union avec la grande philosophie rastafarienne. C'est une philosophie, c'est vrai. Mais qui fonde réellement ce qu'on appelle l'union des Africains entre eux-mêmes. Et c'est ce qui est aujourd'hui détruit par ceux qui sont de Babylone et qui font exprès pour pouvoir diviser le peuple d'Afrique, pour pouvoir régner. Et on n'a pas encore compris cela. Je pense que les choses ne viennent pas en un jour. La conquête par Rastafari de l'Afrique va prendre du temps. Mais elle va venir parce que c'est la seule voie, c'est le seul chemin. L'unité, le respect de la biodiversité. D'ailleurs, ça va être le deuxième débat qu'on va aborder, la biodiversité en Afrique. Et d'ailleurs, nous, on va faire un appel aujourd'hui parce que... Enfin, on vous expliquerait ça tout à l'heure. Mais vraiment... Cette unité va venir dans la conscience et à tous les niveaux de la société. Alors maintenant, nous les artistes, c'est notre travail. C'est pour ça qu'on a lancé le temps des rois, la marée des rois et des reines d'Afrique qui vont dans chaque langue africaine, en anglais, en français, en langue traditionnelle, dans n'importe quel style de musique, qui vont enseigner Rastafari, l'unité de l'Afrique. Parce que, comme disait notre impériale majesté, dès qu'on est divisé, c'est une porte ouverte à l'envahisseur. Donc ça, c'est des choses de base que nous avons compris, nous les Rastas, et que nous allons maintenant essayer d'enseigner à tout notre peuple africain, dans tous les pays d'Afrique, et avec vous les gars, pour nous donner un bon coup de main à faire ça, tous les artistes de reggae. Tout le monde est en réalité ici en Afrique. Oui. On sait ce qui se passe. Et big up à vous, papa et maman Rastasou, de nous donner réellement la parole pour que nous puissions de façon universelle éclairer certains peuples qui croient réellement en cette prophétie. Ça prend du temps, ça va être un travail de longue haleine qui va devoir peut-être se passer sur plusieurs générations. Mais je voudrais enchaîner avec une question à Adem Rabin, justement, parce que en ayant cette vision, bonjour, justement. Bonsoir, papa Rasta. Yes, I. Yeah, enchanté de t'avoir avec nous. En ayant justement cette conscience de Rastafari, d'Haïlé Selassie qui a fait l'OUA, qui s'est battu pour les États-Unis d'Afrique, dans ta chanson, tu nous parles d'Oufouette Boigny. Alors, on n'a pas trop compris la relation.
Oufouet Boigny, c'est le premier président ivoirien. Je n'ai pas dit le premier premier ministre. Ensuite, il a été le premier président de la Côte d'Ivoire. Nous, on est nés aux alentours de 1960. C'est Oufouet qu'on a connu. Et au temps d'Oufouet, il y avait la paix. Il y avait l'hospitalité. Raison pour laquelle dans ma chanson, qui est intitulée « Plus jamais », je dis « Plus jamais de politique identitaire, plus jamais de politique d'exclusion ». Au temps d'Oufouet, il y avait l'hospitalité. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas d'exclusion. Et juste après le décès d'Oufouet, il y a eu une division. C'est ça, j'appelle ça la politique identitaire, la politique d'exclusion. D'accord. Nous ne voulons plus ça. Je propose au public d'écouter la chanson. Comme ça, on va écouter ton titre. Et comme ça, le public comprendra mieux de quoi on parle. Et puis, ça reste quand même une émission musicale. Ne l'oublions pas, c'est le Papa Rasta Show. Alors, on passe le titre de... Dan Rabin. Et on revient avec vous sur ce débat sur la repatriation et sur la biodiversité avec nos trois invités. One Love. Plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Plus jamais, jamais de politique identitaire. Plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Un nouveau départ est pris. À nous d'écrire la suite de notre histoire. Un nouveau départ est donné. Plus jamais, jamais dans le sang. Un nouveau départ est pris. À nous d'écrire la suite de notre histoire. Un nouveau départ est donné. Plus jamais, jamais dans le sang. Plus jamais, jamais de politique identitaire. Plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Plus jamais, jamais de politique identitaire. Plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Un nouvel espoir vient d'être donné. Dieu soit loué qui nous fit témoin de ce temps. Taisons nos querelles et faisons la paix. Ils ont oublié la paix.
oublié l'unité nationale. Jamais, jamais de politique identique.